Vos prévisions météo sur Grand Lille TV et après cette matinée plutôt clémente, les nuages et les perturbations seront de retour cet après-midi. Vous allez le voir avec le radar des pluies. Ces perturbations arrivent donc de la façade atlantique et des côtes de la Manche et des pluies sont attendues tout au long de l'après-midi dans notre métropole lilloise. Encore un temps donc très maussade, très instable pour aujourd'hui avec des températures inférieures aux normales de saison, 20 degrés pour les maximales cet après-midi et puis encore du vent de secteur sud-ouest. La nuit prochaine, peut-être un temps plus calme et sec, mais demain, retour de cette alternance donc instable entre soleil, nuages et pluie, 26 degrés tout de même pour les températures, c'est la bonne nouvelle pour demain mercredi, mais ça ne durera pas car le lendemain, jeudi, une vraie journée automnale avec 17 degrés à peine pour les maximales l'après-midi, des nuages et des pluies toute la journée. Mais heureusement pour la fin de semaine, Météo Service annonce quand même le retour du soleil et d'un temps bien plus agréable avec des températures à la hausse et du soleil, surtout un temps bien dégagé jusqu'à ce week-end. Et ça, on croise les doigts. Saint-Louis, aujourd'hui pour ce mardi 25 août. Il fait toujours beau à Plopsaland-la-Panne. Et on enchaîne avec votre météo des plages pour demain, mercredi. Un peu de soleil peut-être sur la côte flamande, mais surtout drapeau rouge. Notez bien, à 800 demain, un mercredi, du vent près du Cap Blanc-Nez très certainement. Du vent également, une situation très délicate pour la journée de jeudi. Drapeau rouge à Ostendé à 800. Des pluies pour tout le monde.